Salutations, les Valem, c'est Soulinsane. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur Warframe, oui, je l'ai enfin testé, il y a maintenant un petit moment, en stream. Le stream a duré 6 heures, donc on va dire que le jeu m'a plutôt bien plu. Et j'en ai donc profité pour en faire un condensé de ma première impression. Excalibur. Mag. Volt. I'm searching the Warframe's power systems. La puissance. Quick, use your power, defend yourself. Le gameplay est déjà super rapide, ça c'est fun. C'est quoi ça? Ça c'est que du sarrasin de l'espace. C'est juste que je trouvais qu'il sprintait pas tellement plus en fait. Choisis une arme de mêlée. Ah, j'hésite là. Là, c'est le choix entre une lance ou une épée. Okay. Hein? C'est quoi ça? Ah, c'est bizarre les attaques comme ça. Autant normalement, c'est pas mon style de jeu, autant le gameplay là, franchement, il est. Il est fun dès le début quoi, t'as pas besoin d'attendre longtemps. Ah, c'est le choix entre kunai ou pistolet. Ah mais vu qu'il n'y a pas de stats là, tu sais pas trop. Moi je préfère pistolet moi. De base en tout cas. C'est quoi ce déplacement? Par contre, moi j'ai l'habitude d'attaquer avec. Je trompe de touche en fait. Puisque ça me fait bizarre de pas attaquer avec la souris. Mais faut que je m'habitue en fait, parce que c'est vrai que c'est bah, c'est pas du tout ce à quoi on est habitué. Hein. Une arme principale. Ah, c'est pas mal ça. Ce fusil automatique polyvalent, mais on peut les tester de toute façon, non? Ah, j'aime pas les fusils d'assaut. I'm not sure what Vor has done to your warframe, but we cannot remove it now. Just keep going. Your ship is up ahead. Ah, ça j'aime bien en vrai. Ça se trouve c'est plus nul mais j'aime bien quand même. Attends, j'ai envie de tester. Énergie pleine. Ah, je m'attendais pas qu'il soit... C'est vrai que les vidéos tu vois que c'est super rapide. Mais je m'attendais pas à ce point-là. Dès le début, en tout cas. En vrai, il est... Enfin, en termes de gameplay, je sais pas si après ça lasse tout ça, mais en termes de gameplay de base, il est assez génial. There it is, your ship. Hurry. Vor's reinforcements must be on their way. On peut bouger en même temps qu'on tire ou pas? Vraiment. C'est un mob ça? Bien fait de prendre l'arc, je pense que je vais bien plus m'amuser avec l'arc que le fusil. C'est plus fort que l'arc mais bon. C'est quoi ça? Ah c'est... Oh c'est... J'aime pas ce genre de truc mais bon apparemment c'est pas très compliqué. Peut-être que j'aurais changé la sensibilité après. Même si là ça va, mais c'est quand même très... Enfin, je sais pas si vous le voyez vous, mais c'est quand même rapide. It's time to leave.
Mais le jeu est bien fun, hein. Ah oui, on est dans un vaisseau, ça j'avais vu aussi. Ah, c'est les armures, ça, justement. La plus classe. Titan de pierre, le seigneur des éléments telluriques. Rhino charge une cible étourdissant les ennemis sur son passage. Renforce sa peau afin de s'isoler de tout dégât. 550 de santé! Ah, mais c'est parce qu'il a pas de bouclier. Lorsqu'il agonise, Inaros s'enferme dans un sarcophage, peut alors se régénérer en drainant la force vitale des ennemis. Et c'est trop bien trouvé, en fait, ce genre de skill. Ah, j'avais pas vu celui-là, Valkyr. Ah, c'est comme Valkyrie. Je veux pas une armure avec des boobs. Ah oui, donc là je peux toutes les voir. Sympa. Enfin, il y a de quoi faire, quoi, ça c'est cool. Ah ouais, il y a pas mal. Oh, ce marteau! Ah, tu peux les voir équipés en plus! Oh, il est un peu trop fin par contre. J'aurais fait un peu plus large. Le gars qui... Oh, double hachoir. Ah oui, ils sont gavés pour les types. Oh, ça a l'air pas mal. Attends, du coup, est-ce qu'il y a des gros pistolets? Enfin, sans doute, hein. Déjà celui-là, il est pas mal, hein. Ah, c'est un dans chaque main. What? Compagnon. Ok. Ça donne au moins un petit aperçu, quoi. Donc là, je suppose que vu la Terre. C'est une mission à chaque fois, ça? Donc ça veut dire qu'il y a une. Aux alentours d'une dizaine de missions par planète. Le jeu est très beau et ça a pas du tout l'air de ramer, hein. Ah, c'est marrant ce ralentissement. Pistolet au corps à corps. Ah, c'est bien fait. Tanière de cube rose. C'est des mobs. Oh, ils sont légèrement nombreux par contre. Ça fait vraiment penser à... Enfin, ça fait monde ouvert en fait. Parce que là, il y a des mobs qui apparaissent comme ça. L'impact est assez fun. Est-ce que je vois l'XP de mes objets quelque part ou je le verrai après chaque niveau? On voit pas les mobs sur la map? Ou faut installer Turbo HUD? Il y a des add-ons d'ailleurs? Tape, t'auras des infos sur la partie en cours. Ah ouais, c'est bien fait ça. 250 bonus. Ok, il y a l'armure, il y a... Oh, ça c'est cool. Je trouve que c'est cool de pouvoir EP chaque arme. Dentelure. 60 de dégâts fusil. 10% de dégâts pistolet. 20% de dégâts en mêlée. Ça c'est ce que j'ai trouvé. Waouh, j'ai fait 100% des dégâts en étant solo. Matchmaking en ligne. Ah, c'est du PVP ça? Pas envie de faire du PVP moi. Bon, je vais acheter celui-là. Peut-être qu'il est moins bien, mais en tout cas en stade de base, il a l'air plus puissant. J'ai envie de tester. On va commencer par l'épée. 20% de dégâts de mêlée, ça c'est énorme. Bah, vitalité, de toute façon, c'est sûr que c'est largement meilleur quoi. Mais ennemi radar, je trouve ça super utile. Et ça coûte quoi? Juste des crédits d'améliorer le mode? 80% direct? C'est énorme! 120%! C'est quoi ce délire? C'est tellement énorme pour des upgrades de base! Non, voyons voir. Ça m'a l'air sympathique. Le jeu est tellement complexe. Bah, en vrai, pas tellement en fait. Peut-être qu'après. Quand tu rentres dans les détails, mais je veux dire, la base, tu t'y. Tu vois, Path of Exile, par contre, c'est pas noob friendly. Alors que Warframe, je trouve que tu rentres direct dans le fun du jeu et. Sans aucun problème, quoi.
Dans la tête, ça fonctionne bien en tout cas. Oh non, les shields. Ah bah ça va. Non, parce que là, j'ai pas trouvé de choix. J'ai pas trouvé de choix. J'ai pas trouvé de soin depuis le début, non? Là. Ah bah c'était Worf ça. C'était tellement nul. J'ai sauté sur une grenade. En résumé, très bonne première impression. Le gameplay est super dynamique et fluide. Les graphismes sont vraiment nice, même si de base je suis pas super fan de l'univers science-fiction. Et quand on voit le nombre d'armes, armures, tout ça, je pense que ça laisse de quoi faire. Oui, c'est sponsorisé. Non, je plaisante. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, bon jeu à vous. Et bien sûr, Karen Jesus vous bénisse, Fornefalem. Merci.